Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter ensemble le numéro 28 de la 2 chevaux spot. Donc, dans ce numéro 28, on va donc assembler le câblage électrique. Première partie. Donc, l'assemblage. Et la partie finale. Alors, une chose, je vais vous signaler un truc, c'est que ces pièces-là, j'en ai plusieurs à un côté, soient détachées sur ça. Voilà, détachées, ah, vous le roulez et ça s'enlève tout seul. Alors, on va commencer par la carte électrique. On va prendre donc, faire attention parce que moi j'ai deux trous, eux ils en ont trois. Donc c'est peut-être une heure en deux, j'espère. Donc on va prendre ce côté-là. Donc il y a les chiffres qui vous aident. Là il y a le 1, le 3, etc. On va prendre déjà le câble numéro 1. Hop, celui-ci. Voilà. Et on va le mettre de côté surtout. À sa place là. Voilà. Ensuite, le câble numéro 2, celle-ci, et celle-ci, on va la mettre ici. Le numéro 3, on va l'enfiler donc à côté du 1. Voilà. Et enfin, le numéro 4. Celui-là, on va l'enfiler à côté donc du 4. Alors, là, ils se sont trompés hein, sur le papier. Donc, en fait, il marque, là, il y a le 2. Il a le numéro 2, donc brancher le câble numéro 2. Et un petit plus bas, ils disent mettre le câble 4 sur le fiche numéro 2. Non, on va le mettre hop, sur la fiche numéro 4. Donc attention au dessin surtout. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va prendre les châssis. Voilà, on va servir de ces deux trous-là avec cette pièce-là. On va le mettre comme ceci. Ensuite, on prend donc la carte électrique. On va mettre ça à sa place. Mettre ça ici comme ceci et donc on va mettre deux vis DS02. C'est pas ça, c'est DS02, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça ne va pas se rentrer dedans. C'est peut-être celle-là. Voilà. Dans les vis des 02, il y avait une vis, une intrus, qui n'est pas du tout la même forme. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va prendre les deux câbles 2 et 4. Donc le 2, le 4, c'est celui-ci. Et le 2, c'est celui-ci. On va les mettre donc côte à côte. Comme ceci. Et on va les mettre. Hop. Comme ceci. Non, oui, non. Entre les deux tétons. Ouais. Entre les deux tétons qui se trouvent ici. Et passer dans la fermeture, dans l'ouverture ici.
comme ceci, et on va prendre ces pièces-là à détacher que je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va le mettre, hop, on va enfoncer ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va donc passer le câble, passer le câble à l'intérieur avec le tournevis. Le tournevis plus fin. Et ensuite, on va mettre cette pièce, cette toute petite pièce, à sa place juste ici. Avec une vis co 10,06. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va continuer donc tout le long. Donc on va traverser ici. Comme ceci, on va mettre un deuxième ici. Voilà. Et une vis DS 06. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va faire pareil avec les deux autres câbles. Donc celui-là, on va les faire passer comme ceci. Hop, pareil ici. Entre les deux tétons, on va placer cette pièce-là. Hop. Voilà. Et ensuite, on va passer dans l'ouverture ici. On passe à l'intérieur. Et ensuite, une pièce. Donc, comme tout à l'heure, on possède exactement le même exercice. Donc, celle-ci. Hop, juste ici. Avec une vis, donc DS06. Voilà, on traverse. C'est ça. Oui, on traverse comme ceci et on en remet un deuxième ici. Et une vis. Attention, pas trop serré, on peut pas couper les câbles non plus. C'est un peu dommage. Donc voilà pour ça. Et eh ben écoutez, c'est terminé. Et oui, voilà. Donc le numéro 28 est terminé. Donc voilà le compte rendu pour ce numéro 28. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite donc pour une nouvelle. Salut!